Il y avait deux sortes d'Allemands en cet host. Il, il y pouvait avoir 1500 Suisses qui y avaient été dès que le roi y alla. Ceux-là le servirent loyamment jusqu'à la mort. Et il y en avait d'autres que nous appelons communément lansquenets, qui vaut autant à dire comme compagnon du pays, et ceux-là haïssent naturellement les Suisses et les Suisses, eux. C'est ainsi que Philippe de Comines nous amène à distinguer deux types de troupes allemandes dans l'armée française, donc cette arche de Noé de la Renaissance. Euh, à l'aube de la première d'été. D'une part, il y a les Suisses qui servent le royaume fidèlement depuis 1481. D'autre part, des nouveaux venus sur le marché du mercenariat, les Lansquenet. De la formation des premiers régiments par Maximilien Ier à la rédaction des mémoires de Comines à la fin du 15e siècle, les contemporains sont témoins de pratiques et de comportements divergents entre les deux groupes armés, et ce, malgré euh, l'adoption par Maximilien et ses capitaines, le comte de Romont et Angelbert de Nassau. D'un modèle militaire similaire. Les guerres d'Italie s'offrent comme arène dans laquelle les Lansquenets créent leur propre culture militaire, notamment dans une haine et une mauvaise guerre envers les Suisses, mais également et surtout dans le développement et l'adoption de pratiques identitaires propres qui les distinguent. Il y a une mise en scène de l'identité pour clamer son appartenance au groupe et cette ostentation permet également de circoncire les différents groupes. Par ce besoin de clamer son identité, certains signes extérieurs, matériels ou comportementaux apparents, euh, sont, dont sont apparents, pardonnez-moi, et servent de marqueurs identitaires. Quelque, quelques symboles et pratiques qui constituent l'arsenal identitaire des Languedociens sera abordé lors de cette communication au prisme des sources françaises, autant narratives, donc les mémoires et chroniques, que les sources administratives, comme les édits, ordonnances ou les lettres des principaux ministres français. Euh, donc, nous aborderons premièrement le, les vêtements comme pratique identitaire des Lansquenets, ou du moins nous reviendrons sur cette cette pratique. Et puis nous aborderons le dénuement caractéristique qui est au centre de la construction identitaire de ce groupe, tout en ayant le souci constant de ne pas séparer les pratiques des représentations et d'appréhender au mieux la dialectique, la dialectique moi entre les discours et les comportements. Alors, le corps apparaît comme la première frontière de l'expansion de la personne sur le monde. Il définit dans l'espace la limite de l'empiètement des autres sur soi. Il est ce domaine où à la fois l'homme se replie pour son autonomie de pensée et d'action, à la fois lieu d'exhibition de son identité. Les représentations que font les hommes du corps et des vêtements, comme la première enveloppe de celui-ci, sont tributaires de croyances collectives, de normes et de codifications qui encadrent l'univers de l'homme pour lui donner un sens. Le corps est à prime abord un produit culturel et social. L'apparence d'un individu établit son identité sexuée. Son appartenance à un groupe social ainsi que ses fonctions. À l'image de Blaise de Montluc, qui aborde ses plaies comme les, les récompenses de ses services, euh, Montluc énumère à plusieurs endroits donc, dans ses commentaires ses balafres, et je cite J'ai rapporté des guerres sur moi sept arquebusades pour m'en faire ressouvenir et plusieurs autres blessures, en ayant membre en tout mon corps où n'ayant été blessé si, ne, si ce n'est que le bras droit. Euh, les vêtements portés par les militaires et leurs armes sont conformes à cette culture de l'individu guerrier qui sont autant de signes de sa personnalité, de son identité. Euh, le vêtement, dans le jeu d'influence interne et externe d'une société donnée, pose ainsi la question des identités dont il est le premier marqueur visuel. L'historiographie allemande et de l'iconographie attestent que le vêtement du lance-quenet se veut un marqueur identitaire de ce groupe. Les crevés et des éléments individuels sur le costume comme des bandes de tissu, des boucles ou autres s'insèrent euh, dans ce système de représentation. L'empereur même leur accordait et reconnaissait ce privilège de se vêtir hors des cadres vestimentaires de l'Empire en compensation de leur courte et brutale vie. Ce genre propre aux quenet se développe aussi dans l'iconographie, cette dernière brosse un portrait du Lancqenet portant des vêtements typiques de son temps, tout en reflétant les changements dans les habitudes vestimentaires de la première modernité. D'abord, l'iconographie met de l'avant les taillades et le mi-parti des vêtements et les chaussures britanniques, euh, britanniques mercenaires, des mercenaires germaniques. Puis entre les années 1520 et 1530, l'iconographie se concentre sur le torse du lansconnet, particuli et particulièrement sur les épaules, pour souligner l'aspect imposant de sa figure. Un lien ici sera à faire avec sa dominance sur les champs de bataille. C'est également à ce moment que le pantalon est délaissé au, au profit de la braguette. De cette façon, l'historiographie allemande et de l'iconographie sur les lansconnet montrent une identification de ces hommes à leurs vêtements. Ils sont au centre de leur représentation. Or, il y a très peu de mentions de, ce, de cette mode dans nos sources dans les sources françaises tant les mémoires que les chroniques des contemporains français ne soulèvent pas ou très peu cette caractéristique pourtant avérée dès l'ancienneté cette absence de mention de distinction est due notamment à deux éléments d'une part, l'historiographie allemande et iconographique ont accentué le rôle des vêtements dans la culture du lansquenet. Cette discordance est due notamment à la documentation accessible pour travailler sur le vêtement qui repose presque ex exclusivement sur les sources iconographiques. Cette caractéristique majeure et marqueur identitaire fondamental, c'est plutôt le choix des sources, l'iconographie, qui a trop mis de l'avant le vêtement. D'autre part, et c'est ce que nous tenterons de démontrer aujourd'hui, le caractère vestimentaire français est mise à mal par les pratiques vestimentaires plutôt plus hétérogènes et plus soumises aux influences étrangères que les modes allemandes et espagnoles, par exemple. À la fois, l'iconographie met, met trop en lumière les vêtements, à la fois la culture vestimentaire poreuse française ne permet pas d'identifier des pratiques étrangères. Il y a, au 16e siècle en France, une perméabilité dans la culture vestimentaire, notamment en périphérie du royaume où les contacts avec le Saint-Empire, l'Espagne ou l'Italie sont plus ouverts. La majeure partie des grandes puissances emploient les mercenaires germaniques de sorte qu'ils entraînent un isomorphisme militaire des pays ennemis. Euh, cette tendance à la fusion culturelle s'accéléra d'ailleurs pendant les guerres d'Italie. La circulation de milliers de lansquenets favorise les transferts culturels vestimentaires et la propagation de leurs modes qui rendent leurs habits non distinctifs aux yeux des mémorialistes ou des chroniqueurs de l'espace français. Les tentatives de l'État, notamment sous Henri II, de réguler ces transferts vestimentaires mettent en lumière le brouillage des codes de la représentation de, de soi auquel le roi est bien évidemment attentif. Ces encadrements illustrent la diffusion des pratiques vestimentaires des lansconettes dont atteste l'histographie allemande. La multiplication des édits et des ordonnances à partir de 1543 s'en à cette confusion des apparences, mais également et d'abord à une fuite de capitaux au profit des ennemis du roi. En ce qui a trait notre, à la période étudiée, une première ordonnance fut passée sous François Ier en 1543, la dernière ordonnance somptuaire datant de 59 ans plus tôt sous Charles VIII, puis deux sous Henri II, donc en mai 1547, puis en mai 1549. Euh, la noblesse, et je cite, par leur habillement, tant de draps d'or, pourfilures, passements, brodure, d'or et d'argent, au moyen de quoi grande somme de deniers se tire de ce tue notre royaume par les étrangers qui après en secours et aident à nos ennemis. Donc le préambule et les articles de l'ordonnance de 1547 sont similaires vont dans le même sens. Le souci est d'abord économique. Or, la loi de 1549 adopte un nouveau modèle pour le royaume. C'est dans cet édit qu'Henri II tente d'édifier une éthique somptuaire afin d'éviter le problème social et je cite que l'on ne peut choisir ni discerner les uns d'avec les autres. Euh, deux éléments se démarquent donc des préoccupations royales. D'emblée, il y a une sensibilité politique accordée par l'administration du Royaume à ne pas enrichir les étrangers, espagnols et allemands en tête, contre, contre qui le roi est constamment en conflit. Puis, il s'ajoute un impératif social posant des normes et des règles vestimentaires pour définir l'idéal du corps du Royaume, euh, pour euh, justement donc, que les, les pratiques vestimentaires étrangères perturbent. Le paraître, fortement lié au contexte politique, se durcit à la fin de notre période pour atteindre son paroxysme sous l'égard de religion. Dans ce maelstrom des identités vestimentaires sociales, voire nationales, propres à l'art temporel étudié, les pratiques vestimentaires des Lanskenets passent inaperçues ou presque dans les sources narratives. Si les auteurs de nos sources portent la même mode que les étrangers qui affluent dans le royaume, ne sont-ils pas en mesure de remarquer l'altérité du vêtement, ou du moins ne constituent-ils pas un marqueur identitaire particulièrement fort dans le royaume de France? Les Lansquenets sont un groupe social très marginal dont le vêtement à taillade est l'emblème, tour à tour envié et infamant. Certaines caractéristiques vestimentaires sont connues toutefois comme des éléments distinctifs de leur identité. Parmi ceux-ci, la braguette est le signe le plus typique du vêtement de ce dernier, contre lequel les contemporains vitupèrent. La braguette est un élément à la fois pratique et symbolique. En effet... Euh, elle sert autant à la protection par tout leur embourrage qu'à l'ostentation de cette partie du corps qui alimente leur réputation de prédateurs sexuels. En outre, la taillade qu'ils diffusent dans les différentes modes européennes est le second élément distinctif de leur identité. Le ciel de vieille ville, euh, porte d'ailleurs une certaine admiration pour cette mode des Lansquenets. Et je cite « Des plus beaux hommes que le comte de Nassau lui avait envoyés, choisis en trois régiments de Lansquenets, qu'il faisait merveilleusement beau voir avec leur belle albarde à longue dague et, de nouvelle façon, accoutrés à leur mode et de ses couleurs jaunes et noires desquelles il ne changea jamais. » Guillaume Paradin rajoute, Le roi, les princes, tous les seigneurs et gentilshommes s'y trouvèrent tous à pied, en accoutrement de gens de guerre, tous d'une parure, avec force et grand panache, à la mode des Suisses, et marchaient le, les princes et seigneurs, tous en collets couverts de broderies, de porphyre et cannetiers de fin d'or, les choses balafrées et découpées à la grande Suisse, comme ils avaient vu être accoutrés les Suisses à la journée de Marignan. Donc, tous ces éléments sont très importants dans l'autoreprésentation du groupe des Lancenet comme homme de guerre libre. Euh... Le lansconnet est donc un soldat à la liberté enviable, mais il s'agit d'une liberté à double tranchant. D'une part, cette mode, cette mode excentrique inspire la noblesse même qui l'adopte dans leur pratique vestimentaire. Le vêtement du lansconnet est alors empreint de prestige et s'impose comme symbole d'héroïsme militaire. D'autre part, leur culture vestimentaire est ambiguë, puisqu'en temps de paix, lorsque le mercenaire n'a plus sa raison d'être, il y a un renversement des valeurs attribuées aux vêtements. Euh, et je cite donc Machiavel de commenter euh, « Jamais on ne tiendra pour homme de bien celui qui pratique un métier qui, pour être d'un bon rapport, l'oblige à la violence, à la rapine, à la perfidie et à une foule d'autres vices qui en font nécessairement un méchant. Tous, tous, grands ou petits, sont forcés de le devenir avec un métier qui ne nourrit pas son homme en temps de paix. » tout temps où ils ne peuvent subsister que s'ils continuent à guerroyer malgré la paix, euh, où ils se sont suffisamment engraissés auparavant pour ne pas mourir de faim, et nul homme ne, de, de bien ne peut concevoir ni l'une ni l'autre de ces façons d'agir. Mendiant, le lansquenet est stigmatisé comme une catégorie sociale marginale qui menace l'ordre public. Autant, ses actions que dans son, autant dans ses actions que dans son paraître. Ils sont alors, et je cite, ces misérables soldats se retirant comme le moyen se présentait, la plupart mendiants avec une incroyable pitié, lesquels, pour leur butin tant espéré et promis, reportaient à leur maison nécessité, maladie et tout malheur. Au sein, de, au sein même de l'organisation des lance se différencient les officiers et les simples paix par l'aspect vestimentaire. Ce n'est pas tous les lance qui sont exemples des lois somptuaires d'Empire. De cette façon, les hommes d'origine sociale plus élevée qui occupent dans le régiment les postes de double paie ou d'officiers revêtent cette image véhiculée du lance donc crevé taillade, braguette. Bien que l'aspect économique entre ici en jeu, donc le vêtement a indéniablement une forte valeur pécuniaire, et je peux citer ici donc, Gaspard de Sceaux, de Tavane qui dit que euh, la profilure et brodure des écharpes et kazakhs puissent accroître la cupidité et qui excite la hardiesse des ennemis qui cherchent du butin. Donc, il s'agit avant tout de pouvoir s'extraire du cadre social imposé par les lois d'Empire. Ainsi, les simples paix vont au combat dans leurs haillons. La pauvreté de la majorité de ces hommes qui s'enrôlent dans les régiments les empêche d'acquérir un équipement complet, du moins ben, du, du vêtement aux pièces d'armure et Issus en partie des groupes bourgeois ou paysans, les lois somptuaires, somptuaires préviennent une extravagance vestimentaire. Pauvreté et enjeux sociaux distinguent au sein même du groupe différentes identités. C'est donc au gré de leur pérégrination que se construit l'accoutrement du lansquenet par des contacts avec d'autres cultures ou par la prise de butin. Le vêtement devient un marqueur identitaire seulement dans la seconde moitié de la période étudiée, bien qu'une culture vestimentaire propre au lansquenet émerge au tournant du 16e siècle. Les pratiques vestimentaires françaises éclatées ne permettent pas aux contemporains de définir comme stigmate le vêtement. Euh, il faut attendre l'apparition de troubles sociaux plus prononcés, comme la réforme ou les guerres de religion, pour re redéfinir l'aspect du corps social français et ainsi mieux distinguer l'altérité du vêtement. Les contemporains sont particulièrement marqués aussi par l'absence de protection de ces soldats lorsqu'ils vont au combat. Sans, euh, presque sans armes pour se défendre, mentionne Machiavel, Paul Jove rajoute qu'il dédaigne tellement la cuirasse, le casque et le bouclier que les capitaines et ceux qui combattent en tête des compagnies ont seuls des casques et des corselets de fer. Il apparaît alors que la simple paix est dépourvue de protection. Ce ne sont que les hommes de première ligne, officiers en tête, qui portent une protection de l'armure et qui s'engagent dans le combat. Monluc rajoute, lors du siège de la ville piémontaise uh, de Lanzo Torinese, euh, que des 3000 lance la défendant, je cite, 15, 1500 n'ont point de choses, donc, souvent la pauvreté de la majorité d'entre eux. Marqueur identitaire, sans doute dû à leur origine sociale, les hommes devant payer leur équipement lorsqu'ils se présentent à la montre, donc, aux présences, euh, ce dénuement devient fondamental de leur identité. Cette exposition de leur corps influence indéniablement également leur rapport à la violence, donnée comme reçue, et forge une attitude méprisante de l'environnement des combats, des dangers ambiants. Ils sont prêts d'exposer leur corps à effusion de sang pour son vouloir exécuté, affirme Jean Dauton. Jean Molinet, quant à lui, met en lumière cette dynamique entre la violence reçue et le manque de protection des Lansquenet, dans ce cas-ci au service des droits 4 d'Angleterre. Et ici. Euh, « Quand vint euh, au joindre d'un parti contre l'autre, ne peut porter le trait des archers anglais d'Angleterre, souverainement, les Allemands, qui n'étaient armés qu'à demi, et déjà, soit ce qu'ils montraient à ce grand vaillance. Toutefois, ils furent rompus défait, et défaits, sajetés et chargés de traits comme hérissons. » Donc, c'est une belle image. Tout comme le vêtement, l'acquisition de pièces d'armure doit se faire au fur et à mesure des campagnes et du butin, du butin acquis. Ainsi, Guillaume Paradin relate que 9000 lansconnets, qu tous armés de corselets, sont en marche proche de Carignan. Ces vieilles Allemands ont dû amasser au gré de leur pèlerinage guerrier des butins d'équipement, d'armes et de protection qui amènent un aspect physique complètement différent de ce qu'ils devaient être au départ et qui ne correspond plus au système de représentation. Après la bataille de Cirisol, Martin du Témoigne du détroussement des faits personnels des cadavres. À la dite défaite, se fit un grand butin. Et aussi, plusieurs munitions, tant de farine qu'autre chose qu'ils avaient amenées pour envitailler Carignan. Pareillement, ils furent trouvés par compte fait environ 7 à 8 000 corselets. Ainsi, rien n'est bien établi en ce qui a trait à l'apparence. Bien que les lance soient représentés comme étant dénudés de tout type de protection à la fin du 15e siècle et durant le 16e, ce qui projette une image d'hommes fort courageux, Qu'ils mettent évidemment en scène, rapidement cet aspect disparaît dans la pratique. En ce sens, les auteurs du 16e siècle décrivent souvent les lance comme gens de pied, moitié corselet »,« moitié arquebusiers. François Boivin du Villard mentionne ainsi du bataillon des lance qu'il est garni d'un des plus graves euh, corselets, tous lesquels donnèrent si courageusement qu'ils ouvrirent les lignes ennemies et les chasseurs à vent de route, tuant indifféremment tout. Euh, les sources identifient à ce moment les simples paix, donc les piquenaires. Euh, par le terme de corselet, soulevant l'idée que les protections, au moins au niveau du torse, se soient répandues au-delà des officiers et capitaines, au point de qualifier tout un groupe de ce terme. Il y a toujours la possibilité pour les lance d'obtenir des protections. Une simple paix peut, au courant de sa carrière militaire, acquérir un équipement par le butin dont il n'aurait pas eu la possibilité d'acheter auparavant, défiant ainsi l'image de troupes germaniques allant au combat dépourvues de protections. En définitive, L'historiographie allemande a survalorisé la place du vêtement dans la construction de l'identité du lance Le champ immense de l'iconographie de ces mercenaires, un des seuls types de sources qui permet d'aborder le vêtement comme objet, amène un biais dans l'analyse de ce dernier. Nous pouvons remarquer qu'outre cette dimension accrue de l'habillement, il s'opère un isomorphisme de la culture militaire, notamment du vêtement à qui est un signe d'héroïsme guerrier ce qui amène une confusion de la représentation de soi. La mode française de la Renaissance est au carrefour des modes vestimentaires étrangères. Dans la mesure où les pratiques vestimentaires ne sont pas vraiment dissemblables, il faut attendre à la fin de notre période pour que les auteurs de nos sources remarquent dans le vêtement un marqueur identitaire au travers de certains éléments forts comme la taillade, la braguette pour certains ou encore la pauvreté pour d'autres. Cette pauvreté est un marqueur complètement mis de l'avant par le lance qui transparaît également dans son manque de protection. L'altérité est alors graduellement remarquée par la culture vestimentaire. Les contemporains, choqués du dénûment initial de ces mercenaires germaniques qui se lancent à l'assaut d'une forêt de pics au travers des salves de projectiles, ont alors toutes les munitions afin de diriger une image de ces étrangers venant outre-Rhin. Je vous remercie.